Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un DIY arbre à chat avec Fantin, mais pas n'importe lequel, on va remplir la pièce en arbre à chat. Je m'explique, j'ai vu il y a pas longtemps un arbre à chat qui coûtait 500€. Il était incroyablement beau, incroyablement grand, mais il rentrait pas ici. Du coup je me suis dit tiens, avec 100€, est-ce qu'on peut pas faire un truc un peu mieux? Je suis allé à Action, j'ai acheté toutes les merdes que j'ai trouvées. Un truc en forme d'ananas, un cactus pour faire ses griffes, un tapis, bref tout ce que j'ai trouvé, et du bois de récup, et on va faire en une demi-journée quelque chose de fou, incroyable, c'est parti. C'est qui coupe? Je préférerais que tu te fasses mal. Il faut couper les 3 à 211. Pendant ce temps, je cherchais une scie sauteuse dans un magasin. Non, c'est pas vrai. Elle est dans mon coffre. Mais tu peux déjà commencer à mesurer. 211. Voilà. Dans l'idée, il m'a expliqué un peu ce qu'il voulait. J'ai pas compris. Donc on va faire comme si j'avais compris. Je crois que tu veux faire un truc qui passe au-dessus de la porte. Et voilà. j'ai pas la suite. Tu coupes ou je te coupe? Je te laisse couper. Hop. Je te laisse te couper. Salut, nouvelle. C'est mes nouvelles chaussures qui t'ont fait faire un effet. Attends, je vais loin. Y'a rien qui va, Valentin, là. Tu vas pas mettre des lunettes de protection? Si. Tu vois quelque chose? Hein? T'as pas des lunettes de protection? C'est sûr que là, il va y avoir pour 3 heures, si ça se passe comme ça. On appelle un médecin, là. Pour celle-là, on va quand même garder la garantie parce que j'ai l'impression que dans 5 jours ça marche plus. Ouais, alors par contre. Sans lames, par contre. Non, mais les lames sont fournies avec. Ça sert à rien, les lames. Les lames sont pas fournies avec. Ah, tu m'étonnes que c'était pas cher, ouais. C'est moi, il manque la moitié. Je vais chercher une lame. Commence les mesures, j'arrive. On va faire ça alors. Profondeur, intérieur, hauteur. 10 cm. Si on fait 10 cm par 1 cm, ça devrait passer. Oui. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh, des lames de scie sauteuse, c'est pas les bonnes du coup. Si, c'est les bonnes. Du métal et du bois, c'est pareil. Il me semble que ce sont pas les bonnes. Mais si, c'est un truc avec 2 trous. Ah là là là. Fais les mesures, j'arrive. Non mais c'est bon, c'est la bonne lame du coup. Elle est trop courte. Pour l'instant. Jusqu'à ce que je la change. Lâche. Regarde, tu vois, quand j'y arrive, hop, dire que j'arrive, ça marche. C'est quand même bizarre. T'es incroyable, Valentin. C'est vraiment une phrase de daron. Comme par hasard, quand j'arrive, il y a tout qui marche. Là, ça marche là. Du coup, 2 cm. Hein. 2 cm. Non mais attends, mais tu mesures même pas. Wouah! Je suis dedans ou je suis pas dedans? 2 heures. 1h30, ça va être chaud. Mais 2 heures, 2 belles heures. Hein. Je pense que chacun a un peu, tu vois, un bonus. Des gens hyper intelligents, des gens hyper doués. Et moi, je te pensais hyper doué. Je suis un peu déçu. Moi, je te dis un truc qui va pas. Ah, ça coupe pas, tu veux dire? Oh, Fantin, ça coupe pas, ton truc! Je suis pas fou! Change de lame! Là, il faut une lame hantée. Et pas comme les châteaux hantés. Ah, peut-être j'ai d'autres lames. Bienvenue dans le garage où il ne reste plus rien. Par peut-être ça. Bah, regarde le mur, ça va te faire du bien. J'ai vraiment plus d'outils. J'ai tout filé à l'unicorn house et il n'y en a plus rien, quoi. Et avec la scie circulaire, on peut? Avec la scie circulaire, on peut, mais ça va faire... Faudra couper jusqu'ici, quoi. Ah bah oui, parce que c'est circulaire. Cylindre, circulaire, cercle, disque d'or. Ok, Vandamme. T'imagines si là, dans 20 ans, il n'y a plus d'eau? Comment tout le monde va dire, putain, mais en fait, Vandamme... Il avait raison. J'adore l'eau. Mais on est bon, on avance, hein. Ah bah, c'est facile une fois que j'ai tout fait d'avance, hein. Putain. Heureusement qu'il y a un gars qui a pré-coupé, parce que sinon, comment on aurait galéré? Ah, merci. J'ai comme l'impression. Après, que... si je change de lame maintenant, je te jure que ça va marcher. La coupe est la plus longue du monde. C'est clair, pour un petit bout. Au bout du rêve! La lumière, on l'a fait ou pas du coup? Bah, la lumière, ouais, faudrait la faire. C'est beau, hein. Bon, après, le problème, c'est que c'est pas droit, mais ça, on est habitué, hein. Après, je mettrai une petite cale en dessous. Ouais, du carton, du papier, ce qui traîne chez vous, une pièce de 1 centime. Non, mais sinon, je veux dire, pour la lumière. Non, toi, tu veux absolument un... Je sais pas, non, c'est toi qui me dis. T'as fait une coupe en moins, quoi. Comme on a rien pour couper, bon. L'argument tient debout. Ouais, mais alors, attends. Ouais, j'attends. Là où c'est problématique, c'est qu'après, dès que t'éteins la lumière et qu'il y a un chat, quand il va voir la main passer, il va te taper dans la main. Oh, c'est trop bien. Non, il va te griffer, quoi. Ouais, c'est excellent. Ok. Allez, ça part. Avec un crayon unicorn disponible dans le shop à la Unicorn House. Il y en a plus beaucoup, hein, donc faut se dépêcher. L'offre se termine demain. Pour un crayon acheté, 5€ déboursés. On les vend pas, ils sont trop beaux. Dommage. Mais venez quand même. Venez, pas couper la rambarde, s'il te plaît. Ça avance zéro. Ah, je t'aide, hein, en tout cas. Bah oui, bah je vois ça. Il y a des fois où je t'aide pas, donc c'est pas de problème. C'est marrant parce que mes parents, quand ils faisaient des travaux, il y avait 2 employés et il y en avait un qui bossait à être, il foutait rien. Et après, bah, ils l'ont viré.
C'est ma peine une histoire. Je travaillais à la Unicorn House, c'était il y a... Il y a 2 heures. C'est bien, parle au passé. Putain, mais tiens-moi cette bordel de planche, on n'y arrivera jamais, truc de merde là. Non, j'avance pas, c'est bon. On me saoule. De toute façon, ils vivront pas dans l'arbre à chat, pourquoi on se fait chier? Parce que lui, tu l'enlèves. Bien sûr, parce qu'il y a l'odeur dessus. Et il le kiffe bien, l'arbre à chat. On pourrait même brancher, on pourrait faire un arbre connecté, je suis sûr. Ouais, avec de la musique. Ta-ta-da, dès qu'ils arrivent. Par contre, ouais. 104. Ça me fait trop bien. Oh putain, j'ai des trucs dans les yeux là, j'aurais dû mettre des lunettes. Pour la prochaine fois, on met des lunettes. Promis, prochaine vidéo, on met des lunettes. Ouais. Promis. Là, enfin, on a déconné. Avec le métal, on a déconné. Ça aurait pu être dangereux. M'aide pas trop. Et vraiment, il a pris le bouillon, il a fait. C'est en mode, moi je suis caméraman de base. Il n'y a pas écrit dans mon contrat que je dois toucher le maître. Alors je touche pas au maître en fait, Valentin. Ou alors on refait un contrat, Valentin, mais je touche pas au maître. D'ailleurs, ok. Pour l'avoir touché là. Non mais toi, c'est sur ton travail, sur ton emploi, il y a écrit tu fais tout. Il y a écrit Fantin fait tout. Alors relis le contrat. Hein. T'as signé, t'as mis ok, bon. Et en tout cas. C'est bon, dans 1 heure c'est terminé. Dans 1 heure c'est terminé, c'est plié. Après c'est du bricolage et voilà. Attends, vraiment, je te jure. Tu vas couper ma barrière quand je le sens venir. On mettra un coup de peinture, j'ai du post-câblant. Hein. T'inquiète, je rattrape. Ça ferait un bon 71. 79 ou 89? C'est votre ultime bafouille? 79. Dang! Viens, vérifie, parce que voilà. Non, fait 78,2. 78,95. Excusez-moi de pas avoir l'oreille absolue. C'est-à-dire qu'on tombe en face de la porte. Donc il va falloir qu'on visse après. C'est-à-dire qu'il y aura obligatoirement une planche plus basse que l'autre. Que visser deux comme ça, c'est chaud. Parce que là, il faut que t'en mettes une de ce côté-là. Vous pouvez répéter la question? Non, mais. C'est hyper dangereux. Ce que je veux dire, c'est que. Eh bah, on aimerait bien comprendre ce que tu veux dire. Regarde, là on met une planche du coup, c'est ça? Là, on met une planche de 80. Ah, tu mesureras pour être sûr. Et là, on en remet une comme ça. Ouais. Donc, ça veut dire que là, tu voulais remettre continuer aussi? Non. Ok, pas de problème. Ah, mais il suffit de se comprendre. Il suffit de communiquer. Hein. Mais j'ai pas compris. Hein. Ouais, mais tu vas comprendre. Oh putain. Ça marche? Non. Attends, parce que là, c'est branché. Attention. Oui, bah je sais, mais là, c'est bon. Prenons des outils adaptés. Là, t'es sûr? Là, je suis sûr, ça va le faire. Ça va le faire sur 100. Je branche. Tu me branches, et puis il n'y a plus qu'à couper. Hein. C'est parti. Trop simple. Quand on a les bons sans outils. Un jour, je ferai des vidéos DIY avec des vrais outils. Vraiment. Ça genre, sera incroyable. Hyper bien équipé, et du coup, tout le monde fait « C'est trop facile aussi avec les bons outils. » Parce que vraiment, à chaque fois, vidéo, il y a une demi-heure d'outils qui ne marchent pas, quoi. Ces vidéos, il faut les regarder une première fois et une deuxième fois. Pour voir le résultat et revoir ceci, se dire « Putain, mais vraiment, c'est des teubés, mais regardez comment c'est beau à la fin. » Le seul problème, c'est que... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas encore de problème. Là, c'est incroyable. Là, mec, tu passes ta main plus facilement, là. Non, tu ferais plus large, toi? Non. Hop, 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 là. C'est pas mal, là. Pas mal. Bah, je te laisserai faire, parce que moi, j'ai peur des sauteuses. Moi, j'ai une foulure au lobe de l'oreille. Mais ça ne change absolument rien. Hop là, il n'y a plus qu'à couper! Waouh! On visse? Allez, étape vissage. Attention! Pour combien de temps? Encore 5 minutes! C'est bon? Ouais, on le lève. Attention le mur, Et hop là! Est-ce que ça serait pas. Ouais, mais c'est chiant après faire des trous dans les murs. Mais tu sais, genre juste mettre une petite plaque au-dessus là pour être sûr que ça tient comme ça contre le mur. T'as des mèches? Non. Regarde. Oh! Des petits patins. Putain, mais qu'il est fort. Là, ça a bien avancé, là. Et en 20 minutes, on en a fait. Il y a quand même déjà un début. Et voilà. Là, il faut trouver une planche qu'on va mettre là. 94. Ouais, 94. Moi, je me souviens en 94. Ça m'étonnerait. C'est vraiment pas possible. Mais moi, je m'en souviens pas. J'avais 2 ans. Je sais comment t'étais, je veux pas savoir. Pas du tout en projet. Du coup, 94. 94. Comme l'année où... Champion du monde, rappelle-toi. Champion du monde, la Coupe du monde. La Coupe du monde 94, incroyable. Avec la Chabal. Musique de... Chabal au gardien à l'époque. Ah ouais, tu savais pas qu'il faisait du tennis. Mais non. C'est honteux. Vas-y, c'est bon. Il y en a d'autres à visser. Ouah, c'est bien là, c'est propre. Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Puis c'est pas grave, c'est pas du tout le côté qu'on voit en premier, quoi. Ouais, mais après. Bon. Après, je l'avais mis dans l'autre sens aussi, peut-être là, pour faut ça. Que je tienne là pour dévisser, mais. Là, tu vois, ce qui va se passer, c'est qu'on va comprendre l'origine de la chanson. Si c'était si facile, si tout le monde le ferait. Si c'était si facile, bah, tout le monde le ferait. Bah, tu vas voir que là, personne va faire ce qu'on va faire parce que c'est bien galère. Oui! Alors, tout le monde peut le faire? Je crois pas, non. Pour l'instant, les chats vont pas réussir à monter jusqu'en haut, hein, je te le dis. Par un chat, c'est des bibliothèques. Hein.
Changement de projet. Bibliothèque DIY. Non, franchement. Bah, on est pas mal, hein. Là, on est pas mal. On a acquis quelque chose. Une petite bière. Maintenant, il faut réussir à faire un système où tu peux faire des gauche-droite, gauche-droite. Genre, en gros, tu vois, il faudrait qu'il y ait une planche ici et que de là, il saute comme ça. Ok. Et si on mettait juste comme ça? Bah ouais. Si c'est bien vissé, ça devrait le faire. On visse? On visse. On visse. Ben voilà. Comment on fait les autres? Moi, je mettrais bien une petite tablette comme ça en dessous, là. Ouais, tu peux. Fais comme chez toi. T'es prêt? Ouais. Attention, deuxième. Troisième. Vas-y. Oui, monsieur, dame. Et paf. Est-ce qu'on aurait peut-être dû faire des plans avant? Non. Oh my god! Ça, faut les réutiliser, ces merdes-là. Quand on leur met des petits challenges, on fait comme le Wipeout. Tourne tout. On met des petits rouleaux. Et vous allez laisser en blanc comme ça? Bien sûr. Ah, ok. Il y a juste ça là, ça fait chier, ce qui est trop mal. T'as quoi faire une encoche? Tu prends un marteau en purin, en même temps. On bosse pas comme ça ici. On est délicat. On est délicat. Pourquoi vous avez pas mis ça sur l'intérieur de là? C'est vrai ça? Hein? Pourquoi on l'a pas mis là? C'est pas fini. Ah, parce que vous allez réutiliser les modules? Bah oui. Quitte à avoir un nouvel arbre à chat, autant avoir du beau tissu. Ça, c'est moche. Mais on n'a pas fini. On a plein de trucs, tu juges, on n'a même pas fini. C'est incroyable. Là, on commence. T'as un stylo? Tu veux parler du stylo unicorne? Oui. Je l'ai pas. Ici, en gros, on va remettre la planche. Et après, on va décorer au-dessus. À base de coussins collés. Elle est pas encore coupée, la planche? Et qu'est-ce que tu fais, Fantin? C'est bon. Bon, là, ça fait un peu original, c'est bien. T'es un mec, c'est incroyable! Je sais pas où je suis, là, mais... Je suis peut-être pas dedans, mais je suis peut-être dedans. Non, c'est non. Par contre, la maison ananas, qui a vraiment dû coûter 5 euros. Vraiment, c'est le, je crois que le meilleur achat que t'aies fait. Bah, je trouvais ça intéressant d'avoir un ananas quand tu rentres chez toi. Ananas ou ananas? Un yaourt. Y a pas de yaourt en dessert. Les crêpes yaourt, vous voulez dire? Non, non, un yaourt à la crème, quoi. Tiens, mais attends, mais c'est hyper compliqué à monter cette maison. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour qu'ils fassent leurs griffes. Mais déjà, si tu vois à travers, c'est pas mon signe. Ça, par contre, on va aller au bout du rêve. Et voilà. Mais c'est incroyable, cette putain de maison. C'est regarde. Horriblement laid, j'adore. Pour de vrai, je trouve ça mignon, hein. Ici, c'est finito. Là, faut trouver un truc ici. Ouais, faudra un cube ici. J'ai trouvé ça. Remonte un peu. Voilà, ça se cale dedans. Hop, on prend les mesures. Ouais. Alors ça, c'est incroyable. C'est un cactus. Bon, c'est vrai que ça paraît moins incroyable maintenant que je l'ai dit. Okay. Là, t'es bien, là. C'est bon, ça suffira. Oh, c'est incroyable. Sacré baobab, hein. Non, mais après, le cactus, regarde. Il est bien, là. Hey, bienvenue. C'est pas un arbre à chat que t'as fait. Mais oh. C'est juste une étagère à chat. Bah oui, vu le nombre de chats qu'on a, faut les ranger, hein. Je te présente Brutus. Par contre, ça, c'est stylé, mais c'est pas vous qui l'avez fait, quoi. Elle est gentille, Anastasia, on l'aime bien. Eh, hey, c'est pas mal, ici, ça. Oh ouais, oh, j'adore. Et là, on peut mettre une petite photo de moi, comme ça, ils dorment toujours près de moi. Ouais. Jaco, viens de tester, Jaco, tu vas kiffer. Eh, viens là, le chat. Eda. Oh, la panique. Alors? Attends, enlève-toi. Vas-y. Hop là. Incroyable, ça marche. Incroyable. La lampe là, ouais. Si elle est allumée, ça va chauffer. Elle est jamais allumée. Pour de vrai, j'allume jamais cette lampe. C'est de la LED, ça chauffe pas. Là... Ah là là là, ça va en vrai. Franchement, ça va. Ouais. Ouais, je peux faire ça. Et en plus, du coup, ils se mettent en dessous, ils sont là. Oh. Même pas mal. Mais pas mal, c'est bon, allez. Eh, ici, incroyable. Maintenant, tiens, bon courage pour visser. Attention. Ça tient là? Ouais. Ça, on pourrait le fixer pareil dedans. Comme ça, tu vois. Ça le fait ou pas, tu penses? Bah ouais. Ils vont pas se cogner après quand ils vont sauter? Bah ça, c'est de leur faute. Bah après, ils font ça en fait. Ils montent là, 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 là. Non, si, si, c'est bien comme ça. Tu l'as mis au plus haut, la planche, elle est collée contre là? Bien sûr. Bah c'est top. Bah c'est top alors. Qu'est-ce que tu veux qu'on me dise de plus, mon gars? C'est incroyable, bravo à toi. Ça, il y a bien leur odeur là qui pue là. Rempli de poils. Je pense qu'on peut refoutre une planche comme ça. Moi, ça me choque pas. Non, moi, ce qui me choque, c'est les guerres. Ça, on va le mettre là pour les petits chatons. Hein. Ça sera un joli tapis d'éveil. Et puis voilà quoi. Un petit coussin ici. Un petit papier plastique pour l'éveil. T'apprends à se débrouiller tout seul quand tu t'étouffes. Alors? Ça commence à avoir de la gueule. Ah, parce que pour moi, c'était fini. Mais après. Il manque un truc. Je suis d'accord qu'il manque quelque chose. Des petits trucs qui pendent. Ça, pour de vrai, c'est bien pour les chats au début, mais ils s'en battent les couilles maintenant. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 places. 7 avec la maison de Bob. Mais on n'aura pas 7 chats. Déjà 6. Ah, plus les chatons. Plus les chatons. Ils utilisaient encore 3 mois. Hein. Non. 7? Un an? Dès qu'ils marchent, je leur mets un sac à dos et ils vont chercher du taf. Hein. De toute façon, on va ouvrir la porte, la mère attaque.
Barrez-vous, enculé! Pour de vrai, c'est pas en mode ça me saoule. Souvent, quand on veut améliorer un truc, on l'empire. Oui. Ce qui manque juste, c'est ouais, tu sais, genre peut-être des photos, quoi, genre comme ça, quoi. Des petits trucs sur le mur. Alors, on était en train de parler que si on l'améliorait, ça s'empirait. Genre ça, tu vois. Enfin, un truc ici. Ou alors on met le panier là. Le panier serait trop bien ici, ouais. Putain, on peut vraiment faire un wipeout. Hein. Wipeout pour chat. Je sais pas si c'est intéressant comme vidéo. Après, il y a 6 chats, tu vois. On pourrait faire une compète, les classer, et le dernier, on le vire de la maison. Les chats, ils vont arriver, ils vont dire. Mais on était très bien, l'arbre à chat, fils de pute. C'est pas mal. C'est pas mal, parce qu'en plus, il y a une petite lampe chauffante là. Ouais. C'est le meilleur emplacement. Je vous ferai des plans à la fin avec les chats qui montent dedans. Parce que là, forcément, ils sont tous dehors, ils font leur vie. Mais ce soir, je vous jure, ce soir, il y en a au moins un là, là, ou peut-être là, ou quelque part en tout cas, parce que sinon, ça va chier. Non, mais franchement, c'est mieux, je trouve. Ça fait plus propre que le truc d'avant. Même si il faut faire un truc ici, je pense. J'ai pas trop de nez, mais ça sent pas la pisse de chat. Ça sent le vieux. Non, bah, c'est bon alors. Bah, la pisse, le vieux, c'est pareil. Bah, ça, pour le coup. Non, si, au final, tu vois, je m'y suis habitué. Je l'aurais bien fixé. Fixons. Eh ben voilà. Attends, j'en remets une deuxième. Hop là. Pas du tout. Mais alors, pas du tout, mon gars. Bon, ça tient. Ça bouge un... C'est pas mal. Ça manque, ouais, peut-être d'un peu de retouche ici et tout. Je sais qu'Anastasia, elle a envie de peindre en plus. Elle adore la peinture. Elle adore poncer la peinture. Mesdames et messieurs, on se dit à très bientôt. C'était la fin de ce DIY. On a réutilisé tout ce qu'on avait, des nouveaux trucs au final. À part le cactus et la maison de Bob. Bob, ça fait bien. Hein. Ce coin-là, je trouve qu'il y a une belle, énergie qui se dégage c'est ici. Classe. Et ici, au final, on a retapé l'autre, mais il est plus haut. Et du coup, les chats vont être un peu plus tranquilles parce que autre chose, des fois, il y a des chiens qui viennent et quand les chiens viennent, les chats, ils savent pas trop où se mettre. Là, c'est sûr que les chiens pourront pas monter, donc ils seront tranquilles. On se dit à très bientôt. Merci d'avoir suivi ce tuto. C'était gratuit et évidemment, vous pouvez le partager un maximum. Au revoir, à bientôt. Salut.